notre recette à base de produits vraiment provençaux, avec beaucoup de parfums, beaucoup de produits vraiment locaux. Vous aurez donc, dans un premier temps, un filet de bœuf, un tourneau de bœuf, qui est poêlé, avec dessus une garniture que je vais vous présenter en détail. Il s'agit d'un petit mélange pour faire un totti de poivron, d'anchois, d'ail, ensuite avec un artichaut barigoule et un autre artichaut garni d'une panier de tomates. Donc, si vous voulez, c'est un tourneau d'eau poêlé, cœur de Provence. Cœur de Provence parce qu'il y a déjà 4 ou 5 parfums et le parfum final de cette herbe particulière que j'adore, il s'agit de la marjolaine. Voilà un petit point de marjolaine qui va ensoleiller carrément tout ce plat. Si vous voulez maintenant, on va faire le détail. Donc vous prendrez un filet de bœuf, un tourneau de bœuf que vous achetez chez votre boucher. Le voici avant cuisson, le voici après cuisson et voici le petit mélange ici préparé. Il s'agit tout simplement d'un mélange concassé, carrément pilé, avec de l'anchois. Vous avez de l'anchois, vous avez de l'ail, vous avez cette fameuse marjolaine, des olives noires et surtout le petit mélange avec de l'huile d'olive. Ici, vous avez une huile d'olive en macération aux herbes. Et donc, ce petit mélange donne ce mélange onctueux que l'on va tartiner carrément, que l'on va tartiner sur le filet de bœuf une fois revenu à la poêle. Mais tout à l'heure, nous allons voir la cuisson. Pour préparer les artichauts barigoules, il faut les faire revenir, les faire colorer avec des petits lardons qui, une fois fondus, rendent un tout petit peu de graisse. Et dans cette graisse, dans ce gras, vous ajoutez des oignons coupés, tout simplement, traditionnellement, des petites carottes, et vous mélangez, vous faites dorer dans cette partie, dans ce petit élément gras, avec ces légumes, vos artichauts. Vos artichauts qui seront après mouillés, parce que sinon le mélange serait tout sec, avec du vin blanc. Vous prenez un vin blanc très sec. Là, c'est un vin blanc Château Simone, un vin assez corsé, assez particulier des Côtes de Provence. Et voilà ce que vous allez obtenir, un artichaut fondant, très moelleux. Et ensuite, cette préparation qui figure dans l'artichaut ici, on appelle ça ici chez nous le panier de tomates. Donc on pèle la tomate, ensuite on la concasse, c'est-à-dire grossièrement on la hache, et on mélange dedans de la moutarde, de l'huile d'olive, de l'ail, du vinaigre et du persil. Et ce mélange-là donne cette préparation. Cette préparation-là qui est le panier et qui, je vous promets, déjà, sent très 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 bon, puisque dedans, je vous rappelle, il y a du basilic, il y a de l'ail, de l'huile d'olive, un tout petit peu de vinaigre et de moutarde. On s'en sert donc comme un accompagnement de la viande, et donc vous avez déjà un goût assez relevé, acidulé, un goût acidulé avec le vin blanc, les artichauts barigoules, mais plus doux, et ce petit mélange qui surmonte le filet de bœuf, qui est un mélange avec salé, l'anchois, et le goût ensoleillé de la marjolaine. C'est vraiment un plat très, très, très parfumé. Malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir à travers les images. Thank you.
Ça a commencé tout simplement, une guinguette au Cap d'Antibes. Les terrains n'étaient pas chers, mes grands-parents sont installés là. Et donc les gens d'Antibes venaient le dimanche, le week-end, jouer aux boules, manger les pains bagnats, boire le pastis. Et de là, ils ont construit un restaurant, un petit restaurant. Et ma grand-mère était aux cuisines et les temps étaient durs. Il démarrait dans le métier, il démarrait une affaire. Et d'année en année, ça a pris des proportions. Ça a été connu, reconnu pour la bouillabaisse. Et puis le choix du poisson, toujours aussi, un merveilleux poisson, notre poisson régional. Et d'année en année encore, les fils se sont mis à travailler avec les parents. Et puis la grand-mère a dû quitter les cuisines et on a eu des chefs, et surtout un chef, Serge Philippin, qui est venu, qui a pris sa place. Bill Cosby, par exemple, bon, un client très habitué chez nous, il est là toutes les années, il vient 2 à 3 fois dans la semaine quand il est là. Et ils portaient tous des t-shirts Restaurant de Bacon, très beaux t-shirts, avec, il avait repris la carte du restaurant devant Restaurant de Bacon, derrière la carte pour décrire comment arriver ici. Et en fait, c'était Bill Cosby qui nous avait fait faire ces t-shirts à New York et qui nous les avait apportés en présent et aussi d'une manière de dire « je pense à vous même là-bas ». Bon, nous allons faire la bouillabaisse du Bacon. Alors dans la bouillabaisse, on met du Saint-Pierre, des rascasses, du turbo, si on n'a pas de Saint-Pierre, sinon c'est pas la peine, de la lotte, des galinettes, du chapon et du basaké. Bon, après pour la garniture, pour faire la sauce, pour la bouillabaisse, ça c'est pour le fond de soupe. C'est plein de petits poissons de roche, hein, des galinettes, des petites rascasses, des petites soles. Alors, en premier temps, on prend l'huile d'olive. Après, on ajoute les herbes, le thym, laurier, estragon, la tomate. On fait bien pincer le tout. Ensuite, on ajoute les tomates fraîches, le fenouil, l'ail, l'oignon. Et on met les poissons à cuire avec tout ça. On va verser l'huile d'olive dans la marmite. Les oignons et l'ail. Je file. On y vient. On va laisser cuire 5-6 minutes. Alors, on mettait 2 cuillères de concentré de tomate. On laissait bien pincer. Ça, cette opération doit durer 15 minutes. On ajoute les tomates fraîches. Et là, on laisse cuire 5 minutes. Ensuite, vous ajoutez les poissons qui sont juste vidés. Hein, c'est pas la peine de les couper ou c'est des tout petits poissons, juste vidés. D'ailleurs, mélanger tous les ingrédients. Alors, on ajoute le thym, le laurier, le cayenne et l'estragon. Quand le tout est bien cuit, on ajoute de l'eau. Alors, cette préparation dure 20 minutes. Alors, comptez, pour 1 kg de poisson, il faut compter 1,5 litre d'eau. On ajoute du gros sel à la fin. Et en dernier lieu, on ajoute le safran. Alors, ça donne le goût à la soupe de poisson et surtout la couleur. Alors, quand tous les ingrédients sont dans la marmite, à partir de l'ébullition, vous comptez 10 minutes de cuisson. Bon, après 10 minutes d'ébullition, on passe la soupe. On la passe comme une soupe de légumes. Hein. Dans un presse purée. Si vous voulez, vous pouvez donner un petit coup de mixeur dedans, mais enfin, c'est facultatif.
Alors là, il ne faut pas trop en mettre à la fois, il faut faire en plusieurs fois. Il hein, faut bien, bien, bien tout passer. Le poisson, l'ail, les oignons. Il faut que tout soit très, très bien passé de manière à retirer tous les sucres qui sont dans le poisson et dans les légumes. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau au départ quand on mouille avec l'eau. Pour un kilo de poisson, il faut mettre 1,5 litre d'eau. Il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon après, vous aurez une soupe de poisson qui est fade, hein, qui a le goût de l'eau. Hein. Alors, faut bien passer, il faut bien insister. C'est dur, mais après, quand c'est dans l'assiette, vous l'aurez compensé. Il faut bien enlever tout ça. Alors le bouillon que vous obtenez quand vous avez passé la soupe, et après on va la passer une deuxième fois dans un tamis plus fin de manière à enlever les gros morceaux. On la passe bien, on appuie bien, pareil. Cette opération consiste à enlever cette pâte qui est désagréable dans la bouche, qui n'est pas mauvaise, il y en a qui la laissent. Enfin au bacon, on l'enlève. On va bien 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 presser de manière faire sortir tout le jus. Il ne faut pas que la soupe soit trop épaisse, hein, faut qu'elle soit légèrement légère. Quand on a fait le fond de soupe, il nous reste à cuire le poisson qui vont dans la bouillabaisse. Alors, c'est les plus gros poissons, bien entendu, pour faire des gros filets. Hein. Alors, le Saint-Pierre, c'est les poissons que nous avons vus tout à l'heure. Le Saint-Pierre, la rascasse, le bassaquet, la galinette et la lotte que j'ai coupé en tranches. Hein. Le Saint-Pierre, j'ai coupé la tête, sinon c'est pas, en fin de cuisson, c'est pas présentable. Pour un Saint-Pierre comme ça, il faut compter 15 minutes de cuisson, 12 minutes. Hein, vous laissez cuire et au fur et à mesure de la cuisson, vous rajoutez les poissons qui sont plus petits. Hein, c'est-à-dire que 7 minutes après, 8 minutes après, vous rajoutez le bassaquet, la galinette. Alors évidemment, il faut vider les poissons avant de les mettre dans le bouillon. Alors ça, c'est pas la soupe, c'est un fumet de poisson. On fait cuire le poisson de la bouillabaisse dans un fumet de poisson. J'ai la soupe une fois terminée, on ne la refait plus bouillir, sinon ça la dénature. Alors juste à la fin, quand les poissons sont cuits, on ajoute la lotte. Alors avec le gros Saint-Pierre que j'ai mis au début et tous les petits poissons que j'ai rajoutés, il faut compter 15 minutes de cuisson. Alors tous ces ingrédients vont en salle, hein, c'est-à-dire qu'ils sont sur la table quand on mange la bouillabaisse. On prend les croûtons, on prend une gousse d'ail, et on frotte légèrement, ou pas légèrement, si on aime beaucoup l'ail. Hein? Et après, on mettra le crouton dans la soupe de poisson, dans l'assiette. Hein? Alors 15 minutes après, on égoutte les poissons. Et le serveur va les découper devant le client. Nous avons préparé le nougat glacé au coulis de framboise. Alors, dans un premier temps, vous confectionnez un caramel. C'est le sucre cuit et vous le portez à la cuisson du caramel. Vous ajoutez des amandes grillées et des noisettes grillées. Le tout est filé. Hein. Alors, vous mélangez bien le tout, vous déposez sur un marbre légèrement huilé et vous laissez refroidir. Une fois que le caramel est refroidi, il durcit. Et vous le cassez en petits morceaux. Il vous faut des fruits confits.
Alors là, vous avez des ananas, des oranges, des abricots. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, ces fruits confits sont coupés en petits dés. Pas trop gros, ni trop petits. Ensuite, il faut préparer une meringue italienne. Alors, une meringue italienne, ce sont des blancs d'œufs avec du sucre cuit. Alors, vous montez vos blancs d'œufs et vous versez ce sucre cuit sur les blancs d'œufs. Et vous laissez de battre au mélangeur pendant 15 minutes environ, le temps de jusqu'à ce que ça soit refroidi. Alors une fois que la meringue italienne est terminée, vous la mettez au congélateur, de matière à bien la refroidir. Ensuite, vous montez de la crème fleurette, c'est-à-dire de la crème liquide, en chantilly, mais non sucrée. C'est-à-dire, étant donné que la meringue italienne est très sucrée, il faut que la chantilly ne soit pas sucrée. Et pour la sauce, vous fabriquez un coulis de framboises avec des framboises fraîches. Donc vous mettez les framboises fraîches dans une casserole, un peu de sucre, vous faites bouillir et vous passez au presse-purée. Et après, elle étamine bien fine de manière à avoir une sauce, un coulis de framboises. Alors quand vous avez tous vos ingrédients, extrêmement glacés, c'est-à-dire la nougatine très froide, elle sort du congélateur, la meringue italienne aussi, et la chantilly aussi, très froide. Alors, on mélange la meringue italienne avec la chantilly. Et vous mettez sur de la glace, de manière à ce que ce soit bien bien frais. Alors vous mélangez tout doucement. Vous incorporez la nougatine, les fruits confits, et vous mélangez bien. Et pas trop longtemps, sinon la crème fouettée va tourner. Alors juste une fois que c'est mélangé, bien mélangé, soit bien homogène, et après vous arrêtez. Voilà. Ensuite, vous remplissez les petits moules. Enfin, là, on le met dans des moules rectangulaires, vous pouvez le mettre dans des moules ronds, en faire un gros et le couper après. C'est bien la spatule. Alors vous le mettez au moins 2 heures au congélateur et vous pouvez le garder 10, 15 jours, il n'y a pas de problème. Alors j'ai mis le coulis de framboise au fond de l'assiette et j'ai démoulé le nougat glacé de Bacon, ce qui n'a rien à voir avec le nougat de Montélimar, sur le coulis de framboise. Les feuilles de menthe pour la décoration. Et voilà. Et on ajoute une petite framboise dessus. Savonana is built in 1931 in Germany. For the one of the richest lady called Kalwalade. She used the boat until 1936-37. In 1938 she sold the yacht to Kemal Atatürk, which is the first president of Turkey. And unfortunately he used the boat very little time because he died after 3 months when the boat arrived to Istanbul. And then the boat switched to the Navy until 1989. I built this boat in my own shipyard, and with 670 people, really 12 hours basis, including 7 days in the week, we finished this job in 2.5 years. But I believe the luxury we can come up to build such a
boat in Turkey, I can say is the top.